You doing this? Je suis là en fait pour présenter l'association des étudiants burundais de l'Université de Sherbrooke et aussi pour faire passer une invitation d'un événement que nous organisons en avril. Donc l'AEBU, c'est un regroupement des étudiants burundais de l'Université de Sherbrooke qui a été fondé en 2004 par des étudiants qui avaient comme but de promouvoir les liens de solidarité entre les étudiants burundais et de faciliter leur intégration, ainsi que faire connaître les réalités culturelles burundaises au Québec en général et au Canada, et aussi en Estrie. Et au-dessus de tout, le but était de contribuer au développement du Burundi. L'association s'est donc fixée de défendre les intérêts de ses membres, accueillir les nouveaux membres arrivant à l'Université de Sherbrooke et au Canada, organiser des activités socioculturelles et sportives, collaborer avec l'Université de Sherbrooke afin d'améliorer les conditions de vie et d'études des membres de l'association et créer un réseau d'entraide. C'est dans ce but de créer, c'est dans ce but d'entraide que nous avons pris l'initiative de collecter des livres neufs et usagés. Et ce projet a été initié en 2007 par les membres de l'association à l'époque. Et ces livres-là ont été envoyés à l'Université du Burundi. Ces livres sont arrivés en 2009 et il y avait plus de 10 000 livres dans un conteneur. Et cette année, nous avons fait nôtre la cause de la NSS, qui est une association sans but lucratif fondée en 1993 et dont la mission est la prise en charge globale des personnes infectées et ou affectées par le VIH-Sida. Nous organisons donc une levée de fonds qui sera rehaussée par la présence de Madame Jeanne Gapignard, présidente de la NSS, et espérons vous compter parmi nous, tout le monde. Je veux dire, j'espère qu'on aura une salle assez complète comme celle-ci. Et donc, cette levée de fonds aura lieu le 25 avril. Mais il y aura aussi une conférence que Madame Jeanne Gapillas donnera à l'Université de Sherbrooke le 24 avril. Donc, aussi cette levée de fonds coïncide avec le 11e anniversaire de notre association, qui est une autre raison de plus de célébrer. Donc, pour ceux qui voudraient avoir plus de détails sur l'événement et sur le lieu et l'heure de l'événement, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions et aussi pour prendre vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer une invitation dans les brefs délais, dans les jours à venir. Et j'encourage aussi ceux qui veulent faire des dons. Je serai aussi à votre disposition. Je vous remercie.